Bonjour à tous. Idéalement engagé à 160 euros du plafond des gains et cette fois présenté pieds nus, le numéro 16, Jade Aufort, doit reprendre le cours de ses bonnes sorties. Cette élève de Christian Bijon retrouve en effet le parcours de son année de succès, la confiance et de mise. C'est très ouvert derrière avec Jonquillette Crépin, Jalna Girl, Jaya Desbrousses ou encore Joue Intense. Je vais pour ma part pencher plutôt vers le numéro 11, Jaya Desbrousses, qui vient de se classer bonne troisième sur l'hippodrome de Mélée du Maine. Cette protégée d'Anthony Dolion se plaît à Vincennes et sera cette fois confiée au talentueux David Bécaert. Elle a sa place sur le podium. Maintenant, c'est à vous de jouer, sans oublier que Gélibet vous propose un nouveau challenge durant ce week-end de 3 jours avec pas moins de 3000 euros à la clé. Pour passer à la caisse, il vous faudra emporter 6 top 5 sur 6 courses différentes entre le samedi 9 et le lundi 11 novembre. N'hésitez pas également à liker votre émission préférée et à vous abonner à notre chaîne. Et on se retrouve tout de suite pour un nouveau Côté Côte dans la quatrième.